va. On y va ? On y va. Aujourd'hui, on a une forte pensée forcément pour Jean-Baptiste André Godin, une grosse majorité de Huisards qui ont pris conscience à la fois qu'il y avait un véritable patrimoine qui existait ici à Guise et qu'aussi on a pris conscience qu'il fallait absolument le sauver et le réhabiliter. Et il faut se dire aussi qu'on fête aujourd'hui le 137e anniversaire de la fête du travail, car M. Godin, c'est le créateur de la fête du travail dans le monde. Qui bien sûr par la suite, sur le plan national et international, sera fêté le 1er mai. Mais lui, il voulait toujours le premier dimanche de mai, parce qu'il y avait 3 jours de festivités. Ah ah, Adrien ! Eh eh, Godou ! Monsieur, vous tenez le truc, vous tirez pas dessus. Tenez-le là, tenez-le là. Vous tirez pas dessus, vous le tenez. Voilà. Venez vite, faites quelque chose, attrapez-le là. Bon, si vous voulez, Godin va être le premier, bien avant les événements de Chicago et donc les 1er mai qui vont être réalisés en France, et donc de tragique mémoire, celui de Fourmi en 91, il me semble. Donc Godin va, dès 1867, créer la fête du travail. Bon, différence avec la fête revendicative du 1er mai, primo, ça va se trouver le premier dimanche de mai, et pour Godin, il y a bien des fêtes religieuses, il doit y avoir une fête pour célébrer le travail. Mais lui, il faisait une fête, justement, où les gens... Alors, il y a des photos qui les montrent. On peut sourire, on dit, tiens, finalement, ils s'endimanchaient, les ouvriers. Mais ils étaient, je pense, très fiers d'arriver avec des beaux habits, de ne pas travailler ce jour-là, d'avoir un banquet comme les gens de la Haute, précisément, et d'avoir enfin la parole et une fête pour eux avec la musique qui leur plaisait et les danses populaires qu'ils effectuaient. Et puis ce qui était dédié, c'est-à-dire qu'il y avait tous les ateliers, c'est-à-dire tous les ateliers étaient représentés, on montrait un certain nombre de modèles ou les derniers modèles qui étaient faits, donc c'était leur travail ou leur fabrication qui était valorisée et qui était l'objet de la fête. C'était pas simplement une fête pour réunir la communauté, c'était vraiment en mettant en évidence le produit de leur travail. Ce jour-là, ils remettaient des diplômes et des médailles à ses ouvriers dans la grande cour du central. C'était pour honorer le travail. Il avait un point particulier. Le travail, c'était quelque chose de formidable pour lui. Car il disait, rien sans le travail. Jules, on fait gaffe. Non, non, c'est bon, là, René, c'est bon. Wow. Jules, non, je te jure, René, ça va. René, ça va, c'est cool. Et est-ce que vous aviez entendu parler de Godin avant de venir ici? De Godin, des cheminées, ouais. Tout simplement ça. Qu'est-ce que vous savez de lui? Non, franchement, rien. Godin, c'était un homme formidable, a fait tout ce qu'il a fait. Est-ce que vous connaissiez les idées sociales de Godin? Pas du tout. C'est quand même assez en avance, je pense, sur son temps. Ce que je retiens, c'est que c'était un système, qu'il n'y a pas de système parfait, mais que son système était quand même pas si mauvais que ça, puisqu'il a duré quand même 150 ans. Godin, quelque chose une histoire sociale en fait, et aussi ses poils qui sont connus dans le monde entier, je pense. Il y en avait dans la famille, on en avait donc. Les gens viennent visiter l'usine, viennent voir tout le chef-d'œuvre que Godin avait fait, tous ces appareils que Godin avait fait pendant des années. Et puis, en même temps, ça les rappelle des souvenirs, parce que beaucoup de gens d'un certain âge, qui ont connu ça chez eux, ou même à l'école, viennent voir, il y en a combien, ça m'arrive, je vais encore faire une visite vendredi de 50 personnes, et ben il y a plein de gens qui disent, j'en ai eu un comme ça à la maison, tiens, chez maman, il y avait ça, à l'école, on avait ça, on chargeait ces appareils-là, parce qu'on le savait, moi je l'ai aussi, je l'ai fait, hein. Il y avait un gros poêle au milieu, avec un tour, et on avait la corvée d'allumer le feu,
hein, de venir une demi-heure ou trois quarts d'heure avant pour réchauffer la salle, pour que les élèves, hein, et s'ils n'étaient pas bien allumés, on se faisait engueuler. Godin, ce qu'il avait fait, il a commencé à faire des appareils de chauffage. Et des quantités énormes, il en a fait des milliers de sortes. Hein. Moi, je suis encore un petit par rapport à ce développement que Godin avait fait. Et alors, à l'époque, c'était nouveau, puisque dans le temps, tout le monde se chauffait dans la cheminée. Hein. On mettait un chaudron au milieu et on faisait à manger là-dedans, puis c'était terminé. Et du coup, quand Godin a commencé à faire ça, bon, on pouvait chauffer la pièce, parce qu'une cheminée, vous savez bien qu'une cheminée, il y a 70 à 80% qui part dans la cheminée, et puis c'est tout, ça chauffe pas bien une maison. Il invente une cuisinière, il invente surtout ce qui va faire sa renommée planétaire, le fameux poêle Godin, qu'on appelle maintenant un Godin, donc il a donné son nom à un appareil qui est aujourd'hui un nom commun du dictionnaire, mais il dépose tout le temps des brevets, hein. C'est pas du tout ses deux seuls produits, il a une gamme absolument impressionnante, il a une offensivité de marketing, comme on dit aujourd'hui, qui est étonnante, il est à tous les salons, toutes les foires, il y a des ventes par catalogue, il est vraiment à la pointe d'un certain capitalisme et des techniques. Ah, puisque Godin faisait tout. Hein, parce que quand on dit aujourd'hui chauffage central, bah, du temps de Jean-Baptiste Godin, il faisait déjà des chaudières à chauffage central. Hein, et il faisait aussi du gaz. Hein, on n'a rien inventé, on n'a que améliorer ses produits, mais tout ça, du temps de Godin, il l'avait réalisé. La seule chose aujourd'hui, c'est qu'on a amené plus de production, avec moins de personnel, en modernisant plus les ateliers, mais autrement, les produits, il faisait des produits qu'on ne fait même pas maintenant. Hein, il faisait énormément de métiers différents, Godin. Tout ce qui touchait à la fonte, il faisait. Jean-Baptiste André Godin naît en 1817 dans un petit village à une vingtaine de kilomètres de Guise, un petit village nommé Esquéry, dans une famille d'artisans. Son père est serrurier. Il commence son apprentissage dans l'atelier paternel de serrurerie. Et puis, pour perfectionner son métier, il part d'abord à Paris, puis sur la route du Tour de France. Sans être compagnon lui-même, il accompagne son cousin Moret, Jacques-Nicolas Moret, dans son tour de compagnonnage. Ce Tour de France de l'apprentissage professionnel est en même temps déterminant dans sa formation politique et intellectuelle. Dans les années 1830, effectivement, il va fréquenter des milieux où se débattent les questions sociales, les questions politiques, les questions des conditions d'existence et de la maîtrise de ces conditions d'existence. Et Godin nous raconte que quand il est à Paris, par exemple, il court écouter les conférenciers pour écouter plus savant que lui sur la question, nous dit-il. Il revient donc effectivement à Ekeheri, va se marier assez rapidement et avec l'argent, la dot de mariage, il va fonder son premier atelier de serrurerie. Donc il va très rapidement, à l'issue de cette période de formation professionnelle et personnelle, il va se lancer à titre personnel dans la carrière industrielle. Il fonde un atelier de serrurerie, il loue des locaux à partir de 1840 jusqu'à 1846 dans son village natal. Ce n'est qu'en 1846 qu'il va transporter cet atelier de serrurerie sur le site de l'actuelle usine de Guise.
Godin voit dans le travail un moyen très puissant d'élévation. D'élévation dans le statut social, par l'amélioration de la situation matérielle, mais aussi d'élévation intellectuelle et morale. Godin fait du travail un moyen de l'émancipation de ces populations qui sont victimes du système d'économie libérale, et il pense que c'est dans la juste reconnaissance du travail, de la place que doit occuper le travail dans la société, il pense que c'est dans cette reconnaissance que passe effectivement la réforme de la société. Et donc, toute sa préoccupation sera de redonner au travail ou de donner au travail ses lettres de noblesse. Enfin, même les révolutionnaires partageaient cette espèce de valorisation, pour ne pas dire de survalorisation du travail, qui a d'ailleurs demeuré longtemps. Par exemple, je sais pas, la figure du métallurgiste ou du mineur ou du cheminot comme une sorte de Prométhée, j'allais dire, hein, ben, au fond, c'est quelque chose, effectivement, qui était, à l'époque, en tout cas, assez partagé, même, effectivement, si c'était une illusion. Godin, c'est le socialisme utopique, c'est une espèce de... c'est la cité idéale, quoi. D'accord ? C'est-à-dire, c'est l'idée, bon, même si ça ne s'est pas réalisé comme ça, mais... c'est quand même l'ambition, l'utopie de casser les rapports de classe en plein 19e siècle, où quand même on était sur des rapports de prolétaires, quoi, au sens étymologique, c'est-à-dire les gens qui quittent la terre, qui deviennent les vilains, quoi, hein, ils sont même plus des, c'est même plus des serfs, parce que l'esclavage n'est plus attaché à la terre, ils viennent vendre leur force de travail. Il a eu l'éclair, cette intelligence utopique, en lisant, on ne sait pas très bien ce qu'il avait lu de Fourier, mais on sait qu'il a lu des vulgarisateurs de Fourier, en particulier dans des journaux locaux publiés à Saint-Quentin. Et puis ensuite, il a aidé Victor Considérant à monter sa communauté utopique, justement, phalanstérienne, au Texas, aux États-Unis. Victor Considérant était le principal disciple de Charles Fourier. Charles Fourier, avec sa mathématique des passions et son algèbre des sentiments, était le plus imaginatif des penseurs utopiques. Il prônait l'organisation sociétaire dans le phalanstère, car il pensait que c'était dans le phalanstère que l'individu pourrait s'épanouir dans le bonheur et dans l'harmonie. Vous considérez-vous les utopistes comme des gens très sérieux ? Ah, ils sont très sérieux, absolument. Ils sont très sérieux et ils seraient scandalisés s'ils savaient que certains commentateurs les traitaient de dilettantes ou bien de critiques un peu comme ça, approximatives. Non, ils construisent vraiment une contre-société à partir d'une critique méticuleuse de la société de leur époque. Quand Godin fait son tour de France, il voit la condition ouvrière. À partir de la révolution de 1848, la question du logement ouvrier est au cœur des préoccupations. Godin ne peut pas être indifférent et ne peut pas être ignorant de cette question. Il a même dû la subir physiquement. Il n'y a qu'à lire Flora Tristan qui décrit très très bien ça. Donc on voit bien que tous ces réformateurs sociaux au départ partent de cette situation et de cette misère faite. Donc il y a la volonté, à partir du moment où l'usine commence à dégager des bénéfices, d'améliorer la condition. Il y a bien cette idée que dans le projet social, dans l'amélioration proposée au sein de l'usine, mais dans l'amélioration proposée à l'humanité tout entière, elle transite en partie par le logement et tout ce qu'il va mettre à côté. Il est dans une époque où il y a des expositions universelles, qui sont des lieux de rendez-vous, à la fois pour le tout à chacun, mais aussi pour les patrons de tous les pays industriels européens. Et on y expose, c'est le principe d'une exposition, on y montre des machines, on y montre des produits manufacturés, mais on y montre aussi, justement, de l'habitation ouvrière. Et l'idée de cité ouvrière transite grandement par ces expositions universelles. Donc il est vraisemblable que Godin a été sensible à cet aspect des choses, mais que lui ne voulait pas embrigader la population, il ne voulait pas la contrôler, il voulait l'élever.
Et donc pour ça, il s'est dit, au lieu d'avoir chacun un petit pavillon dans son coin, je vais faire un habitat qui, par son mode d'organisation, va responsabiliser ceux qui vont y résider. Bien, alors, nous nous trouvons ici dans le pavillon aile gauche. Vous vous souvenez, donc, c'était le premier construit, comme l'en attestent les numéros. Vous voyez qu'on a le numéro 1 là-bas, et au fur et à mesure qu'on monte, le nombre augmente jusqu'au 66, et ensuite, de l'autre côté, on recommence au 67, etc., et on va jusqu'au numéro 470. Donc, on a une capacité de logement pour environ 500 familles, environ 2000 personnes. Alors là, même chose, imaginez comment Guise, qui était une ville de notables, pouvait envisager ce foyer de sédition ouvrier qui était en train de se développer à ses portes. Hein. On appelait le familistère le tête-brique, hein, et le vocable a passé le XXe siècle. Le familistère, c'est toujours, quelque part, le tête-brique. Enfin, il est connu sous ce vocable. Alors, le familistère, c'est une cité ouvrière. Voilà, c'est un moyen que beaucoup d'industriels à cette époque ont retenu pour fixer, pour stabiliser la population ouvrière qui est très très mobile à cette époque. Et c'est vrai que le turnover, c'est-à-dire la mobilité des travailleurs, surtout très très peu qualifiés, est extrêmement importante. Mobilité saisonnière déjà, parce que, eh bien, il y a les travaux des champs et les travaux de la manufacture qui ne se déroulent pas au même moment, mais aussi une mobilité régionale très très importante. Et la construction de cités ouvrières est un moyen de fixer cette population. Bon, et puis, mais s'il y a bien évidemment un tel élément dans la logique du choix de Godin de construire le familistère, il y a surtout une volonté de créer un contexte, un cadre. Et là, Godin s'inspire très fortement de Fourier, dans la conviction que c'est en créant les conditions propices au développement de l'homme pour que l'on puisse effectivement voir émerger un homme nouveau dans un monde nouveau. Donc nous sommes ici dans un appartement reconstitué. Alors vous voyez que ce ne sont pas des appartements très très vastes, hein, ce sont des appartements de deux pièces. Ça peut nous étonner. Replacez-vous dans le contexte, n'oubliez pas, hein, ailleurs, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est Germinal. Si vous relisez Germinal, deux pièces, il y a à peu près 11 personnes qui y habitaient. Ici, donc, c'est un appartement qui sera dévolu à une famille de 5 personnes environ. En fait, tout est calculé de façon à ce qu'un appartement ne soit pas plus confortable qu'un autre. Ici, nous nous trouvons au rez-de-chaussée, donc on a besoin d'une grande hauteur de plafond pour pouvoir capter cette lumière. De plus, la fenêtre est aussi obscurcie par la rue Galerie. Mais au fur et à mesure qu'on monte dans les étages, cette hauteur de fenêtre donc, va se réduire. Alors, on voit aussi ici qu'il ne faisait pas que des appareils de chauffage. Vous avez aussi tous les appareils culinaires, c'est-à-dire la cocotte, la poêle à frire. Ça, c'est l'appareil à gaufrette. Ici, vous avez ce qu'on appelle le crapaud, hein. Les fers à repasser. Alors, par exemple, ici, on a un modèle de fer à repasser qui est assez intéressant. On reconnaît l'emblème du familistère, qui est donc la ruche, symbole tout à fait évident de l'amour du travail et de la collectivité. Bien, alors peut-être vous avez des observations. Ça va pour tout le monde? Pourquoi le nom familistère? Pourquoi le nom familistère? Alors effectivement, tout à l'heure, vous avez vu, l'idée du familistère vient d'un utopiste très célèbre, Charles Fourier, qui avait imaginé le phalanstère. Phalanstère, donc vaste habitat unitaire, où il allait regrouper 812 hommes et 812 femmes, selon des principes quand même qui peuvent paraître assez étonnants.
Godin va reprendre un certain nombre des idées de Fourier, il ne va pas tout appliquer, et il va reprendre justement cette idée, bien sûr, d'habitat unitaire. Il ne peut pas appeler ça phalanstère, parce qu'à l'époque, le phalanstère, ça fait peur. Donc, il va appeler ça familistère, c'est-à-dire, il inclut le concept de famille dans le mot. Ça sera le palais des familles ouvrières, si vous voulez. La différence entre le familistère et une cité ouvrière est, de façon évidente au premier abord, la différence du palais à la maison individuelle, naturellement. Parce que Godin appréhende cette question uniquement dans la perspective de l'habitat collectif et donc sous la forme que lui donnent les socialistes fourriéristes ou owenistes, sous la forme du palais. Résidentiel. Il reprend un petit peu des dispositions que Fourier avait proposées en essayant de prendre exemple sur le palais de Versailles dans lequel il y avait un bâtiment principal et puis deux ailes en retour qui venaient donner une sorte de majestuosité. Donc on a parlé de Versailles pour le peuple, en quelque sorte d'un palais pour le peuple. Alors, des petits détails justement qui rappellent assez Fourier, c'est-à-dire que Fourier, vous savez, était une sorte de maniaque de la mesure, et ici justement on se rend compte que tout est totalement mesuré. C'est-à-dire la hauteur de la balustrade est évidemment imaginée de façon à ce qu'un enfant ne bascule pas par-dessus, l'écartement des barreaux, l'enfant ne pourra pas passer la tête. Vous remarquez aussi des escaliers qui ont une forme semi-hélicoïdale extrêmement intéressante, c'est-à-dire que près de la rampe, une personne âgée ou un enfant peut monter sans difficulté puisque la marche n'est pas très haute et elle n'est pas très profonde. Maintenant, si vous êtes jeune et que vous avez de grandes jambes, vous prenez l'extérieur, vous montez 4 à 4. Hein. Bien. Vous allez remarquer aussi que cette convivialité est accentuée par le système des portes. Sur chaque porte, vous avez un petit couloir qui donne sur deux appartements. Donc il y a un secteur qui est commun à deux familles, si vous voulez. Et alors ce familistère offrait à l'époque un confort inconnu, non seulement de la classe ouvrière, mais même de la bourgeoisie parisienne, par exemple, et pas seulement de la bourgeoisie de Guise. Nous avions l'eau courante à l'étage, des toilettes à l'étage, séparées pour les hommes et les femmes. Nous avions également la trappe à baligure, qui est l'ancêtre du vide ordure, aux quatre coins du familistère. Et nous avions un système excessivement judicieux d'aération qu'on pourrait apparenter à de l'air conditionné dans la cour centrale. Et ça, c'est quand même assez extraordinaire. La cour, et on va le voir tout au long du 19e siècle, et c'est ce qu'on parlait dans les immeubles, on parlait de puits de lumière, c'est-à-dire des toutes petites courettes qui servaient à peine à ventiler ou pas de lumière rentre. Donc qu'est-ce que fait Godin ? Godin, il dit, c'est une vraie cour que je vous donne, et une cour illuminée. Sous verrière. Avant, c'était des couloirs sombres. On a les descriptions de ces couloirs sombres pleins d'ordures, où les gens quasiment déféquaient dedans. Et donc, qu'est-ce que propose Godin ? Il propose des balcons qui deviennent des sortes de galeries sur un espace commun. Et c'est plutôt des dispositifs par rapport à favoriser une architecture qui favoriserait la communauté. Ça s'appelle règle, conseil et mesures d'ordre domestique à l'usage des habitants du familistère. Alors bon, ça c'est le document en général, est assez décrié, mais malgré tout c'est le règlement. On ne peut pas faire cohabiter 2000 personnes sans expliquer ce qu'il ne doit pas, enfin ce qu'il ne faut pas faire pour mettre en péril justement la vie de la collectivité. Alors, il y a le mot aussi « conseil », et quand on le lit, en fait, on trouve surtout des conseils. Imaginez ces gens qui venaient habiter le familistère, qui étaient issus des campagnes environnantes, qui avaient toujours habité une maison dont le sol était en terre battue, dont les toilettes, c'était un trou au fond du jardin, etc., etc. En fait, quand ils arrivent ici, il faut tout leur expliquer. Et donc on leur explique comment laver le sol à carreaux rouges, que faire des eaux usées, etc., etc. On affiche dans les premiers temps du familistère
des avis qui, par exemple, interdisent de cracher par terre, d'amener ses poules et ses lapins au familistère. Et d'une autre façon, tout est là. C'est-à-dire, on doit assister vraisemblablement à un bouleversement culturel. Venir habiter ici, c'est un bouleversement culturel. Et ça, c'est signifié par laisser au clapier collectif ses poules et ses lapins. Je dois tout de même vous confesser que le dernier chapitre s'appelle « Amende hein ». Et quand on le feuillette, en fait, on y trouve la liste des bêtises et le prix qu'il en coûte si on se fait prendre la main dans le sac. Hein. Donc, là, c'est quand même des amendes assez dissuasives. Alors, je résiste pas au plaisir. Cabinet d'aisance pour les enfants en bas âge qui font leurs ordures sur le sol du cabinet, 1 franc. Les enfants âgés de 7 à 14 ans faisant la même chose, 2 francs, etc., etc. Autre document, le carnet de l'économat. Alors, comment ça fonctionne? Donc, la familistérienne va déposer de l'argent à l'économat. Et ensuite, tout ce dont elle a besoin sera noté sur ce carnet et défalqué de sa somme d'origine. Ça a en gros deux grands avantages. Ça permet de lutter contre l'endettement des ménages. Et puis, d'autre part, ça permet de calculer ce qu'elle dépense dans le courant de l'année pour lui rendre une ristourne, donc une somme proportionnelle à ses dépenses, qui lui est donc reversée au mois de septembre pour la rentrée des classes. C'est-à-dire, ça permet de rhabiller les enfants, si vous voulez. C'est prime pré-rentrée version Godin. Les marchandises étaient achetées en grande quantité. Le bénéfice tiré de ces magasins a servi au départ pour mettre en place le système de mutualité. C'est-à-dire que les médicaments étaient gratuits, visite du médecin gratuit, etc., etc. Godin fera participer les femmes au familistère dans toutes les consultations sous forme de scrutin pour les désignations des membres des différents conseils. Godin considère que la femme a une place dans la société productive et donc il faut la décharger des tâches qui sont trop strictement réservées aux femmes d'éducation des enfants. Et le poupona, le bambina, c'est tout cet enseignement préscolaire qui permet à la femme de se dégager de ses contraintes pour justement être disponible et produire à la manufacture. Godin va réclamer le droit authentique des femmes à participer à la vie économique, à la vie sociale. Il y a par exemple au familistère une caisse de secours mutuel pour les femmes, ce qui dénote assez bien effectivement que, et c'est proprement révolutionnaire pour l'époque, que les femmes ont parfaitement accès, au même titre que les hommes, à ces éléments du progrès social. L'anecdote raconte que c'est le jour où Godin annonce à sa femme qu'ils vont venir habiter ici, le familistère, au milieu des ouvriers, que là, Madame Godin trouve que ça fait quand même beaucoup. Et donc là, ils vont se séparer. Donc Godin va venir s'installer d'abord dans l'aile gauche, puis ici, dans cette aile, d'abord seul, puis ensuite avec Marie Moret, donc sa principale collaboratrice. Alors là aussi, vous pouvez imaginer maintenant, avec tout ce que vous avez appris sur le familistère, comment est-ce que Godin était perçu à l'extérieur. Ce monsieur qui se permet d'habiter avec une dame ici, qui n'était même pas son épouse, personnage très sulfureux quand même. Marie Moret va avoir auprès de Godin un rôle tout à fait considérable. D'abord comme, on va dire, comme secrétaire, comme conseiller, dans tout ce qui aura trait aux relations que Godin va nouer avec les milieux intellectuels, avec les milieux politiques. Marie Moret parle plusieurs langues étrangères, notamment elle parle couramment l'anglais, et ça va être pour Godin un moyen de faciliter considérablement les contacts avec les socialistes anglais. Marie Moret avait pour tâche, on va dire, principale, pour ne pas dire prioritaire, le fonctionnement des écoles du familistère. Elle excellait dans ce domaine et prenait tellement à cœur cette mission de faire des écoles, ce qu'elles sont devenues d'ailleurs, le fleuron
de l'association du Familistère, qu'elle est allée jusqu'à s'impliquer dans la pratique de la pédagogie. Elle arrive avec plein de bonnes idées, les mathématiques nouvelles par exemple, des cours tout à fait originaux sur la géographie. On partait sûrement des plantes, on partait des biens alimentaires, on essaie d'en faire comme ça l'itinéraire, d'où vient le sucre, bon bah, ou la vanille, bon, et du coup on découvre Madagascar, etc. Bon. Donc ce sont des méthodes qui à l'époque n'existaient pas, et il n'y avait pas non plus de un rapport autoritaire, comme souvent dans les écoles du XIXe siècle, qui est un lieu de torture, enfin il faut quand même être très clair là-dessus, bon, à part quelques rares exceptions. Et une des exceptions en France, c'est justement Godin. L'école est le nerf de la guerre, si je puis dire. La transformation sociale dont rêve Godin passe par l'éducation. Et là, il n'est pas original. La plupart des utopistes considèrent que l'éducation est le moyen, effectivement, d'assurer une promotion de chaque individu. Il avait instauré dans ses écoles le principe de la laïcité, et donc il s'opposait à ce que l'enseignement du catéchisme soit dispensé dans les écoles. Et donc il a dû rédiger son propre catéchisme, et les difficultés qu'il avait avec l'évêché tenaient au contenu du catéchisme qui était enseigné au familistère. N'oublions pas que la Troisième République n'existe pas encore, que les lois Jules Ferry n'existent pas encore, que Victor Duruy n'a pas encore introduit la mixité. Donc on est à une époque où là aussi il innove, il crée une école mixte, avec une maîtresse d'école qui, sans mauvais jeu de mots, est sa maîtresse. Godin, c'est le bonhomme qui s'est fait lui-même. C'est un autodidacte. Et je pense que son grand souhait, moi j'ai toujours ressenti ça comme cela, c'est que l'ouvrier puisse s'émanciper. Dès le début que Godin fait ses pavillons, ses habitations, il va faire tout de suite une bibliothèque. Il met tout de suite des éléments culturels à la disposition du personnel. Le théâtre, pour lui, c'était pas le théâtre pour faire venir des troupes de professionnels, c'était au contraire pour permettre aux habitants du Familistère de devenir comédiens, de devenir chanteurs, de devenir musiciens. Donc il y a un Orphéon, par exemple, qui fonctionne très très bien dans le Familistère. Il y a comme ça une espèce d'intervention dans le loisir, parce qu'il vise aussi à réduire le temps de travail. Il sait que le travail est un véritable, à la fois moyen de promotion sociale, de réalisation de sa personnalité, mais aussi de fatigue, d'aliénation. Et là-dessus, il est tout à fait convaincu par Fourier, mais il n'ira pas jusqu'au bout de la logique fourieriste, qu'il faut essayer de permettre au désir de s'exprimer. Je suis né au deuxième étage, là où il y a le volet, juste dans le coin là-bas, au 427. Votre père était aussi né au Familistère ? Mon père était né au Familistère, mon grand-père et mon arrière-grand-père. Autrement dit, nous sommes une famille de familistériens et moi je suis à la quatrième génération. Mon père me racontait toujours qu'il y avait des neuvaines. Lui, il n'avait pas connu, c'était son père et son grand-père qui avaient raconté l'histoire. Et il décidait par exemple en période de beau temps de faire une neuvaine, c'est-à-dire que il sautait le mur de clôture de l'usine, il se trouvait dans la forêt avec des... Bon, ben, il y avait un petit bois, donc ils étaient tous là-dedans. Alors ils attrapaient des lapins, ils buvaient le coup, tout ça. Et puis forcément, les femmes s'inquiétaient que leurs maris ne reviennent pas à la maison. Donc ils envoyaient deux, trois dames pour dire on va peut voir ce qui se passe. Alors, comme il y avait des guetteurs parmi les gars qui faisaient la neuvaine, attention, voilà les femmes. Alors ils se mettaient tous à poil et puis dansaient comme les Indiens. Alors forcément, comme ils étaient un petit peu imbibés de pinard, les bonnes femmes n'osaient pas s'approcher, quoi. Et c'est ça. Mais quand ils reprenaient le travail, alors là. Ils rattrapaient le temps perdu. Ah là, ça n'arrêtait plus. Donc vous voyez, la façon de travailler à une certaine époque, ça serait maintenant, on dirait quoi, ils ont parti 9 jours. Allez, hop, on les balance. Ah, parce que neuvaine, c'est effectivement 9 jours. 9 jours. Alors, pendant 9 jours, ils dansaient dans les bois comme des Indiens. Ils prenaient des vacances. Ben, je peux vous dire que le premier de ma famille, la première personne qui est venue, elle est arrivée en 1853.
dès l'époque de M. Godin. Ils sont déjà là et ils travaillent comme mouleurs, mais après, on voit qu'ils sont fondeurs, émailleurs, et même le premier est responsable de la fonderie. Donc, ils ont monté un petit peu tous les échelons. Et donc, ça fait au moins 3 ou 4 personnes de branche de ma famille qui sont originaires de Guise et même du Finistère depuis quelques années quand même. Et mon père a pu faire des études supérieures grâce au système Godin, puisqu'après 14 ans, on pouvait les aider s'ils avaient des compétences. Et là, mon père a fait l'école supérieure de commerce de Reims, l'école supérieure de commerce de Paris. Et il avait les études prises en charge complètement, ainsi que le trousseau. Et même, vous savez, dans ces grandes écoles, il y a des soirées gala. Et même l'habit de gala avait été pris en charge, si bien qu'on ne voyait pas son origine un peu modeste. Et c'est comme ça qu'il a pu gravir l'échelon social. Et donc... il est revenu ensuite travailler comme employé à l'usine et il a fini directeur. Donc le moteur de la promotion sociale n'était pas en fait la fortune sous laquelle on était né, mais le moteur de la promotion sociale, c'était le talent. Et on valorisait le talent. Et on valorisait les enfants qui étaient prometteurs et à qui on permettait de faire des études puisqu'ils en avaient les compétences et le démontraient par ce talent. Il y a effectivement une extraordinaire générosité, une très très grande capacité d'adaptation qui fait que ce n'est pas du tout une usine où il y aurait une sorte d'esclavage, plus ou moins taylorisé. On est dans tout à fait autre chose. Un individu ouvrier qui justement a un certain talent va tout de suite être aidé par l'entreprise, mais pas du tout pour le bénéfice spécifique de l'entreprise, mais pour un bénéfice collectif qui sera partagé. Il avait inventé une machine à mouler. Déjà. Autrement dit, il y avait le moulage à la main qui se faisait toujours au moulage à la main, des châssis en bois ont bourré du sable pour imprégner le modèle, mais il avait quand même solutionné ce problème-là pour les grandes pièces avec la machine à mouler, avec des presses hydrauliques déjà. Il réduisait la pénibilité du travail. Et c'était presque l'embryon du travail à la chaîne. C'était des immenses plateaux, à peu près comme ce massif. Il y avait des châssis qui tournaient au ralenti, les mouleurs grattaient, ou s'ils faisaient quelque chose sur ce... Ça repartait avec une espèce de grue, ça repartait sur un autre plateau, et ça finissait. C'était le travail à la chaîne, quoi. Donc il était déjà précurseur dans ce domaine-là. Et après la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, cette machine fonctionnait toujours. La plupart des utopistes sont persuadés que la machine va libérer l'homme. Ils sont persuadés que plus l'usine sera bien équipée, eh bien, plus la tâche de chacun sera allégée, et du coup on pourra libérer du temps pour faire autre chose, c'est-à-dire précisément pour s'instruire et se divertir. L'usine, c'était quand même une usine humaine. Si c'était un ouvrier, par exemple, ce fut le cas de mon père, quand il a arrêté qu'il ne pouvait plus mouler, il a été voir l'administrateur gérant qui c'était son ami d'enfance. Il lui a dit « René, je ne peux plus mouler, ne t'inquiète pas, je vais te mettre dans un autre atelier ». Donc il l'a mis au montage, donc c'était moins difficile que la fonderie. Hein, vous voyez, on avait, si vous voulez, une certaine considération pour les anciens ouvriers, les ouvriers qui ne pouvaient plus produire comme ils ont reproduit 20 ans auparavant. Donc, il y avait une certaine humanité qu'on ne retrouve plus maintenant. Vous ne pouvez plus faire ce travail, vous dégagez. Les performances économiques de l'entreprise vont très largement alimenter toutes les œuvres sociales qui ont été mises en place par Godin en termes de sécurité sociale, n'est-ce pas? Et donc, bien avant les lois de 1936 et 1945, le personnel de l'entreprise Godin va bénéficier d'un système et d'un réseau de protection sociale d'une densité incroyable. Alors, ce qu'il y avait aussi de particulier qui était très intéressant, c'est que l'ouvrier qui partait en retraite avait une retraite de l'association qui n'existait pas encore sur le plan national. L'ouvrier partait en retraite avec une pension de l'usine. Alors c'est pour ça que le patron, Jean-Baptiste, était dans le collimateur des autres patrons, quoi. Godin, avec plein d'autres réformateurs de cette époque, est persuadé que toute production résulte au moins de 3 éléments qu'on va combiner entre eux. Le capital, le travail et le talent. Et le talent, justement, c'est cette petite chose en plus, quoi. C'est-à-dire l'ingéniosité ici, la dextérité ailleurs, la poésie autre part. Bon. Et donc, du coup, chacun mérite
sa part de revenus générés justement par cette combinaison-là. Quand en 1880, il fonde juridiquement l'association coopérative du capital et du travail, c'est bien qu'il veut faire des salariés de son entreprise ses propres associés. Et donc, c'est bien cette élévation qu'il recherche au travers de divers procédés, c'est bien cette implication du personnel qu'il cherche à promouvoir quand, par exemple, en développant ce qu'il appelle les expériences sociales, il met en place des systèmes de démocratie sociale, de démocratie ouvrière. Et il y avait chaque année un vote pour nommer 3 ouvriers qui faisaient partie du conseil, aussi bien conseil de gérance que conseil de surveillance. Hein? Donc ces gens-là avaient le droit, au cours d'une délibération, de donner leur avis et puis de contrôler les comptes et tout, quoi. C'était la gestion par les ouvriers, en somme. Il faut cesser d'opposer ceux qui possèdent la force de travail et ceux qui possèdent le capital. Il faut au contraire trouver une formule, et donc ça apparaît effectivement très très idéaliste et utopique, trouver cette formule qui associe, les uns diront des antagonistes, des opposants irréductibles, ce que Godin ne croit pas du tout. Il faut associer ses forces pour les mettre au service du progrès. Ça change qu'on travaille pour soi. Quand vous faites votre jardin, vous n'attendez pas que le voisin... Bon, vous travaillez pour vous, vous cultivez pour vous. Mais là, c'était la même chose. On travaillait et on essayait même de trouver des améliorations pour produire davantage et peut-être d'une meilleure façon. Hein, vous voyez, on était entraînés... on était patron. Petit patron, mais on était patron. Au travers de statuts qu'il rédige avec des hommes de loi, il se résout à la constitution d'une coopérative. Et donc, il donne à l'ensemble de son immense fortune, c'est-à-dire l'usine, le Familistère, autant à Guise qu'à Bruxelles, et l'ensemble des réalisations périphériques, Economa, école, théâtre, etc. Il regroupe tout cela dans un patrimoine associatif, c'est l'association coopérative du Familistère de Guise, donc, qu'il va légalement créer en 1880. Est-ce que le Familistère est purement et simplement un modèle qui doit se diffuser sur l'ensemble du territoire, des territoires? Godin est internationaliste, le monde de la réforme sociale ne s'arrête pas aux frontières du Second Empire ou de la République française. C'est plutôt, je crois, il faut le voir plutôt comme une proposition. Pour Godin. Voilà ce que j'ai fait, voilà ce qui fonctionne. Et c'est pour ça qu'il prend la peine de faire œuvre de propagandiste au travers de son ouvrage important, Solutions sociales, qu'il écrit à mi-course de la réalisation du Familistère. C'est-à-dire, comme le dit très joliment Guy Delabre, c'est un théoricien de la posteriori. Je fais, et c'est parce que j'ai fait que je peux tirer un certain nombre de leçons et que je peux dessiner un certain nombre de perspectives sur la question de l'organisation sociale. Godin fonde à partir de 1878 un hebdomadaire au Familistère, Le Devoir, revue des questions sociales, où dans la première décennie, quand Godin est directeur de cette publication, les colonnes sont largement ouvertes à l'explication de ce qui est en train de se faire au Familistère. Et c'est vraiment l'organe de promotion des idées de Godin. C'est-à-dire que toute sa vie, il va rêver de trouver d'autres industriels qui imitent donc ce projet de Familistère. Bon, il sera assez déçu parce qu'il y aura quelques imitations qui n'auront pas cette ampleur ni cette longévité. Et Godin a été attaqué par tous les patrons de l'époque. Godin a été concurrencé d'abord techniquement, donc on voulait sa ruine. Et Godin, finalement, n'a pas réussi à imposer ses idées parce que les autres patrons qui étaient sensibles éventuellement à prendre en considération l'habitat ouvrier, etc., très vite basculaient dans une sorte de paternalisme. On octroie
à l'ouvrier des avantages et bon le début par exemple d'un habitat, je sais pas, dans les corons, etc., mais aussi de services sociaux, mais aussi une amorce de retraite, etc. Mais justement, ben, c'est du paternalisme, c'est-à-dire c'est octroyé par le patron et aussi d'ailleurs c'est une forme, j'allais dire, de chantage, peut-être le mot est fort, mais ça veut dire que quand même pour bénéficier de ça, il faut être quand même docile, il ne faut, faut pas ruer dans les brancards. Avec Godin, on est dans une logique qui est radicalement différente, je dirais même qui est opposée. La logique, c'est de transformer le système plutôt que de le conforter. C'est de trouver les conditions dans lesquelles on peut transformer la société. Alors voilà, on va avoir ensuite beau jeu de qualifier Godin d'utopiste et tous ceux qui se revendiquent de cette démarche expérimentaliste, d'être des idéalistes et donc de ne pas être comme les socialistes scientifiques, en tout cas ceux qui se prétendent tels, le sont, c'est-à-dire des gens qui veulent véritablement la révolution. Là, il s'agit d'une révolution par l'exemple, il s'agit d'une révolution pacifique. Et d'une certaine manière, les socialistes utopiques, ceux qui essayaient d'inventer une société sans classe, pour reprendre les terminologies de l'époque, mais par rapprochement entre le capital et le travail, c'était pas ça la construction, bien entendu, de Marx et d'Engels, etc. Et donc, Godin a été, surtout après avec la montée du marxisme-léninisme, a été, à mon avis, très, comme Owen, comme tous ces utopistes, tous ces socialistes utopiques, ont été plutôt mis au rancard. Monsieur Godin disait, il ne suffit pas de lancer des paroles, il faut les mettre en application. Donc il y avait des partis de gauche et même d'extrême gauche à l'époque qui lançaient toujours, on pourrait mieux faire, mais en réalité ils ne faisaient rien. Donc c'est là qu'il les attendait au tournant. Moi j'ai fait ça, j'ai dit ça, je l'ai appliqué. On peut parler d'utopie à condition de la qualifier, utopie réalisée, utopie expérimentée. On pourrait plutôt parler d'expérimentation sociale, mais en soulignant l'ampleur et l'échelle de cette expérimentation. On a là affaire à une expérience qui touche 1500 à 2000 personnes sur un espace d'une vingtaine d'hectares, donc une expérimentation vraiment significative. Il ne s'agit pas là d'une petite colonie d'adeptes du fouriérisme allant défricher des terres vierges et bon an mal an organiser les prémices d'une organisation sociale meilleure. En 1888, Godin meurt, il se fait inhumer au fond du jardin d'agrément, tout en haut du jardin d'agrément, sur une espèce de belvédère qui domine l'ensemble du site. Malheureusement, après la mort de Godin, il n'y aura plus rien de construit. Pourtant, l'usine va s'agrandir. Pourtant, les retraités, veuves, tout ça, continuent à habiter au Familistère. Et, bon, du vivant de Godin, il y a ce grand bâtiment sur le côté qu'on appelle le Cambrai, un petit qui est sur la route de Landrecy, donc on nomme le Landrecy, et également un qui va être construit un an avant la mort de Godin à Bruxelles. Donc, on construit. Après la mort de Godin, jusqu'en 1914, ça aurait été possible. Malheureusement, on ne construit plus rien. Pourquoi ? Moins on est nombreux, plus la part de gâteau est importante. Et donc, on reste coincé, on va vivre sur soi-même. Bon, après la guerre de 1914-18, c'était pratiquement impossible parce qu'il y a trop de dégâts, il y a trop de chamboulements, quoi. Donc, aussi bien des dégâts dans l'usine que des dégâts sur l'aile gauche, là, qui est reconstruite dans un style très différent, qui montre aussi l'embourgeoisement de la population, avec les balcons, avec cette tour. On veut montrer qu'on a réussi, quoi. Hein, c'est le signe de réussite. On a été prospère jusqu'au moment où on a rencontré des difficultés. Au moment du marché commun, par exemple.
Il y a eu l'invasion en France de produits étrangers tels que espagnols ou italiens, des cuisinières qui concurrençaient un petit peu les nôtres, bien que leur qualité était tout à fait inférieure. Donc ça, les gens, ils achetaient selon leurs moyens, et ça concurrençait un petit peu nos appareils. Donc il s'est trouvé un jour où nos magasins se remplissaient, il y avait une mévente, si vous voulez. C'est ce qui explique la transformation, donc, hasard de l'histoire, en 1968, de l'entreprise coopérative en société anonyme. Donc je tape ma lettre de préavis, ce n'était pas un moment très agréable, courant 68, quoi. Et puis on cherche du travail, de préférence dans notre région parce qu'on y est attaché, puis ça commençait déjà à être un peu le marasme, et puis j'avais quand même 37 ans, c'était pas le bon âge. Je suis autodidacte, c'était pas une référence non plus. Et puis j'ai retrouvé un travail en région parisienne, bon, on acceptait bien sûr. Tout ça, ça nous a tristés, nous les anciens ministériens. On a bien vu que tout était fini, il n'y avait plus aucun rapport avec l'idéal de Jean-Baptiste André Gaudin. Tout s'est arrêté à ce moment-là, tout s'est arrêté, il n'y a plus d'association. Il n'y a plus rien, hein, il n'y a plus rien du tout. Il a dit, moi, je ne suis pas un logeur, je ne suis pas Monsieur Gaudin, je vends les familistères par appartement. Donc les appartements ont été mis en vente et puis c'est devenu des copropriétés comme une HLM ou autre chose, quoi. Quand les gens viennent ici et qu'ils ont déjà une idée de Gaudin ou qu'ils ont une idée superficielle, on a l'impression que Gaudin, j'ai déjà entendu le terme de despote, manque de liberté, etc. Et moi, je pense qu'au contraire, il proposait des avantages, une vie meilleure pour les ouvriers, mais il pouvait partir quand il voulait. Je pense que maintenant, savoir s'adapter à la vie ici, ce n'était pas facile. Hein. Mais s'il n'était pas satisfait, il pouvait partir. Hein. Parce que je pense que Gaudin était pour la liberté individuelle et donc il respectait cette liberté. Vous êtes convaincue, madame ? Ah ben, moi j'ai toujours mes idées, mais il faut voir, il faut se remettre à l'époque, hein, du 19e siècle, et là, maintenant, nous sommes au 21e, hein, quand même, hein, c'est alors totalement... Alors, 21e, ça veut dire quoi? Qu'on est devenu plus individualiste? Oui. Ah, moi, je le pense aussi. Oui, beaucoup plus. Je pense que c'est justement un petit peu la question qu'on peut se poser après la visite, c'est-à-dire, est-ce que notre individualisme forcené n'a pas justement détruit toute possibilité de retour en arrière? Et est-ce que justement on peut réimaginer maintenant une société où on vivrait ensemble? Bon, les efforts faits maintenant pour revenir en arrière seraient probablement considérables. Mais et c'est peut-être en ça que les gens ont beaucoup de mal à comprendre le familistère. L'essence du familistère, c'est ça, c'est être ensemble. Et après un siècle et demi, nous ne savons plus vivre ensemble. À l'époque, lui, il était dans des idées avant-gardistes, mais c'était également quelqu'un qui voulait, pour ses ouvriers, mieux. Et j'ai peur qu'à l'heure actuelle, avec le chômage qu'on peut observer actuellement et les conditions dans la société, que malheureusement, ces idées se soient un petit peu perdues dans l'idée du capitalisme pur où il faut rentabiliser et gagner de l'argent au maximum, même si c'est au détriment des ouvriers. Le message de Gaudin, qui a si souvent retenti par sa voix, dans ce théâtre du familistère, à l'occasion des fêtes du travail, serait-il à ce point brouillé? Assurément, ce message nous vient d'une époque où la croissance industrielle semblait sans limite et où la France paysanne devenait un pays industriel. Pourtant, qui ne s'est jamais demandé ce que ferait Gaudin aujourd'hui, là où le message de Gaudin reste irremplaçable? C'est dans sa volonté inébranlable de ne pas se satisfaire de l'inégalité, de l'injustice, de refuser la fatalité et de persister à croire qu'un autre monde est possible. Le palais social, ce n'est pas la perspective. Le palais social, on ne construit pas une fois qu'on aura réformé la société. Non, on construit le palais social justement pour réformer la société. On construit le palais social pour créer un milieu propre à l'émancipation sociale et collective.
Alors maintenant, est-ce que c'est encore possible de faire des choses comme ça? Les gens viennent voir Godin et puis ils verront s'ils peuvent s'en inspirer. J'invite les chefs d'entreprise à venir ici et à essayer d'y réfléchir et voir si c'est possible de le faire. Mais quand on regarde notre société, on est quand même assez étonné finalement de l'absence d'audace. On n'expérimente pratiquement plus rien. Donc on voit bien que là, Godin, un de ses messages, un peu peut-être malgré lui, c'est de dire, on a des bonnes idées, on a envie de vivre mieux, eh bien essayons. Déjà, on peut dire qu'à l'époque, il n'y a que Godin qui y arrivait, paradoxalement, puisqu'on a vu que ça n'a pas réussi à se répandre en France. Donc c'était déjà quelque chose d'unique en son genre. Et aujourd'hui, le développer, je ne sais pas, je ne crois pas que ce soit dans les idées actuelles de notre société de recréer ce style de choses, notamment au niveau collectif. Vous le regrettez, cette situation, ou vous pensez qu'un jour vous pourrez l'inverser, vous les jeunes ? Je pense qu'on pourra l'inverser un jour. On y croit. On y croit. Donc ce grand espoir, le voici, c'est la 5e internationale. Alors, je crois pouvoir dire qu'on retrouve un peu l'idéologie de Godin. Godin va toujours y avoir l'équilibre droit-devoir. Il y a toujours le devoir, d'ailleurs, il avait un journal qui s'intitulait Le Devoir. Donc le devoir est très important. Donc, j'ai dit, en japonais, j'ai fait traduire, hein, parce que je ne connais pas, bien sûr, droit. En arabe, j'ai fait traduire le devoir. Et Epis Corpus, la démocratie. Cette internationale, il faut la recréer, mais basée sur ces principes-là, sur le droit, le devoir et l'égalité. Puis quand même, dans un coin, il fallait quand même pas que j'oublie, le vive Blanqui quand même, je vous laisse de la lumière quand même voir le vive Blanqui, parce que bon, ni Dieu ni maître, bon ça me ressemble un peu quoi.